Bonjour Madame Croque-Cerise. Ah oui. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous on s'amuse, chez vous on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous on s'amuse, avec vous on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour Madame Croque-Cerise, nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ho ho. Ho ho. Bonjour, 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 bonjour. Madame Croque-Cerise. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Oh. Oh là là. Oh, 1600 à la cerise. Quelle chaleur. Bonjour, bonjour, bonjour. Il fait chaud chez toi? Moi, je n'ai jamais eu aussi chaud. Oh. Ça, c'est parce qu'il n'a jamais fait aussi chaud. Oh, il fait trop chaud. Ma sève va bouillir. Oh. Moi, je suis bien parce que mon eau est toute fraîche. Oh. C'est bon, Charlotte? Oh oui. Et mon petit puce aussi, il est bien, hein? Bah aussi. Il n'y aurait pas une petite place pour une fleur là-dedans? Eugène! On t'a oublié. Oh, excuse-nous, Eugène. Viens tremper des racines. Puce va te faire une place, hein? Oh, oh non. Non, non, ça va. Après tout, je ne suis pas un nénuphar. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Le cerisier! Il fait tellement chaud que les cerises éclatent. Oh non! Mon cerisier! Mon cher cerisier, mes cerises! Oh! Ouais, bel effort, Madame C. Oh, une autre. Oh, attrapez-la. Attrapez-la, Madame Croque-Cerise. Oh, j'ai vraiment chaud. Oh, rien qu'à vous regarder, moi, j'ai chaud. Il doit bien y avoir une façon de refroidir l'air. Oh, les cerilous. Cerilou. Oui, c'est nous, c'est nous les cerilous. Nous voici, nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Ah bonjour, bonjour les cerilous. Vous avez pensé à fabriquer des flocons pour nous rafraîchir? Ah, oh, quelle bonne idée! Alors, on a besoin de papier et des ciseaux. Ça va bien, hein? Des ciseaux à bourron, ça c'est la sécurité. Alors, on a plié les feuilles comme ça. Maman, c'est un blanc. Ah, voilà! Alors, on plie en triangle, comme ça. Oh! Ensuite, regarde-moi. C'est beau. On met les pointes avec les pointes en deux, un autre triangle. Moi, j'en ai fait. Et là, on va du côté où il y a un pli, tout plein, comme ça. Pas où il y a des trous. On peut aussi aller où il y a des trous. Et on découpe des formes. Moi, ce que j'aime là de ça, là, c'est que ça fait comme une surprise parce qu'on ne connaît pas le dessin que ça va donner. Moi, je fais tout, ça va faire un rond. Oui.
regarder ce que ça donne quand on ouvre le papier. Un joli flocon qui rafraîchit. Et ils sont tous différents. Oh là 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 là, merci beaucoup, 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 les cerilous, d'être venus nous aider à nous rafraîchir. Au revoir. Merci. Voilà. Oh, quoi de mieux que de beaux flocons de neige pour se sentir au frais? C'est bon, comme une belle journée d'hiver. Oh, Madame Croque-Cerise, j'en veux un, s'il vous plaît. Bien sûr, mon petit Bulle. Un flocon de neige pour Bulle. Merci, Madame Croque-Cerise, c'est tout frais. Et un pour Bab? Un pour Bab? Moi aussi, j'en veux un flocon, Madame Croque-Cerise. Un flocon pour Charlotte, un joli flocon pour Charlotte. Oh, qu'il est beau. Et voilà. Merci. Oh, il est tout froid, celui-là. Merci. Et il en faut un aussi pour Puce. Un flocon pour Puce. Mais ne le laisse pas trop s'approcher. Il se gèlerait le bout du museau. Je vais faire très, très, très attention. Merci. Madame Croque-Cerise, vous pouvez en accrocher un sur une de mes feuilles, s'il vous plaît? Un flocon pour Eugène. Tu te sentiras tout frais. Ouais. Je n'en ai plus. Mais je peux en fabriquer d'autres. Oh, ça ne fait rien. C'est ça. Rien de grave. Je suis seulement une fleur, moi. Rien qu'une fleur. Je peux faner, manquer d'eau. Personne ne s'en fait avec ça. Ah, mais non. Tiens, qui ça peut bien être? Bizarre. De plus en plus bizarre. Une boule de neige. Bleu, jaune, rouge, vert, voici notre Dagobert. Bonjour, Dagobert. Tu vois ce que je vois? Pourquoi y a-t-il un nuage au-dessus de la tête de Dagobert? Oui, pourquoi? Dagobert, viens donc par ici une minute. Comme ça, ça fait du bien. Je suis au frais. Moi aussi, je veux un petit peu de neige. Moi aussi, Dagobert. Oh, Dagobert, où est-ce que je peux trouver un nuage comme ça? C'est fabuleux. Dagobert a une idée. Mille glaces à la souris, mais c'est l'hiver dans la maison. J'aime ça. Bravo pour Dagobert. Bravo. Bravo. Oh, j'ai un peu froid maintenant. Oh, c'est vrai, Eugène, il y a une fraîcheur dans l'air. Un lainage, un foulard? Oui, bonne idée, madame. Oh là là. Madame Armoire, nous aurions besoin de quelque chose de chaud, en laine, s'il vous plaît. Un agneau en pluche. Vous avez raison, Madame Armoire. C'est vrai que c'est en laine, mais ça ne va pas nous réchauffer beaucoup. Oh, merci, Madame Armoire. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour l'hiver. Allez,
On se couvre. Quand la neige tombe, tombe, tombe sur nous, tout devient si froid ou si froid. Quand les flocons tombent, tombent, tombent sur nous, tout devient si blanc, si blanc. Neige rose, neige blanche, oh la neige blanche, tant de neige juste pour nous. Boule de neige, tant de neige pour nous. La neige pour nous. Glisser, glisser sur le dos des rivières. Glisser, glisser sur le dos de l'ours polaire. Tourbillonne pour nous, tout devient si doux, si doux. Quand les flocons volent, ils revoltent pour nous, tout devient si fou, oh si fou. Neige rose, neige blanche, oh la neige blanche, tant de neige juste pour nous. Boule de neige, tant de neige pour nous, la neige pour nous. Il y en a plein de ciel, des millions de flocons pour nous, tant de neige. Bien réchauffé, on peut jouer dans la neige. Qu'est-ce qu'on fait? Un bonhomme de neige. Bonne idée. Je vais vous expliquer comment le faire. Nous, les fleurs, nous sommes spécialistes des bonhommes de neige. Bravo! Oh non, mes cerises recommencent à éclater. Tout va bien? Vous avez tous assez chaud? On est très bien, ouais. Très bien. Parfait. Ouais. Ne t'inquiète pas, grand cerisier. J'arrive. Youhou! C'est ça, Charlotte. Tape bien la neige. Comme ça, la tête ne tombera pas. On l'a fini, notre bonhomme de neige. Oui, mais... il manque quelque chose. Quoi? Il lui faudrait... un chapeau. Oh, chouette! Un chapeau. Et un foulard. La tête de gêne. Juste de la bonne grandeur. Une minute, s'il te plaît, d'une minute, là. Eugène, prête ta tuque au bonhomme de neige. S'il te plaît. D'accord, mais pas pour longtemps. Voilà, parfait. Est-ce qu'il pourrait aussi avoir ton foulard, Eugène? Il est juste de la bonne longueur et... Oh, d'accord, d'accord. Voilà. Vas-y, c'est ça. Merci, Eugène. Eugène, tu es vraiment gentil. Ouais, je sais, je sais. Mais ne les gardez pas trop longtemps, hein? Sinon, je me transformerai en crème glacée aux pétales. D'accord. Dagobert, va chercher Madame Croque-Cerise, s'il te plaît, hein? Il faut qu'elle voie notre super, super, super bonhomme de neige.
Zut, flûte. Il fait vraiment froid ici. J'aimerais mieux être ailleurs. Dans un pays où il ne ferait ni trop chaud, ni trop froid. Oh! Par les chaussons de ma grand-mère, il fait plus froid que jamais. Où est-il, ce super bonhomme de neige dont il m'a parlé, Dagobert? Madame, il est beau. Vous l'aimez? Je l'aime, mais comment? Il est magnifique. Vous avez bien travaillé tous les deux. Eugène nous a aidés. Il nous a dit comment faire. Oh, bravo Eugène, tu dois être très fière de tes élèves. Eugène? Par la barbe de ma tante Rose, Eugène est gelé. Quoi? Oh. Oh. Eugène? Eugène? Oh. C'est à cause de nous. De vous? Oh. Oui, il a dit qu'il se changerait en crème glacée au pétale si on lui empruntait trop longtemps son foulard et sa tuque. Oh. Dagobert, de la chaleur. Vite, vite, Dagobert. Mais le sucette à la cerise. Les pouvoirs magiques de Dagobert ont gelé comme Eugène. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Bulle, nous allons le sauver, notre Eugène. Il faut lui redonner son foulard et sa tuque. Bonne idée, Charlotte. Oh non! La tuque est gelée sur la tête du bonhomme. Et le foulard? Oui, le foulard. Oh, le foulard aussi. Oh. Il faut amener Eugène au jardin, là où il fait encore si chaud. Vite, dehors. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je l'ai, elle aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste qu'une chose à faire. Au secours! Nous voici, nous voilà. L'amiral et moi à la rescousse. Mais où sont-ils tous? Oh, mais par les grands ouragans, mais c'est l'hiver là-dedans. Au secours, à l'aide! Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise! Permission accordée, capitaine Archibald! Par toutes les grandes baleines grises, cette porte est gelée comme une banquise! Capitaine, Eugène est complètement gelé! Eugène est gelé? Il faut faire quelque chose! Oui, vite! Oh, Madame Croque-Cerise, j'ai une idée. Oui, l'amiral et moi arrivons tout juste de la péninsule des pingouins violets. Oui, oh, les pingouins violets ne sont pas des pingouins ordinaires. Non, ben d'abord, ils sont violets. Capitaine, je suis sûre que vous avez fait un très beau voyage, mais vous nous raconterez votre histoire plus tard. L'heure est grave! Justement, Madame Croque-Cerise, justement, les pingouins violets nous offrent la solution. Oui, parce que eux aussi n'aiment pas du tout le froid. Non, pourquoi? Parce que quand ils ont froid, ils deviennent bleus. Alors, vous savez ce qu'ils font, alors? Non, qu'est-ce qu'ils font? Les pingouins font la danse du soleil. Oui, pour réchauffer l'atmosphère. La danse du soleil? Oh, pouvez-vous nous la montrer? Mais tout de suite, tout l'honneur est pour moi. Pardon, Miral, oui. Tout l'honneur est pour nous. Flip, 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 plac, plac, pou.
Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque pour réchauffer nos petits pieds. Les pieds des pingouins n'ont jamais mis de chaussettes. Les pingouins n'ont jamais mis de chapeau sur leur tête. Ils aiment le soleil et quand il s'en va, les pingouins chantent, chantent doucement. Flip, 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 plaque, plaque, pou. Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque, pour réchauffer nos petits pieds. Ouais! Les pieds des pingouins n'aiment pas marcher sous la pluie. Les petits pingouins n'ont jamais de parapluie. Ils aiment le soleil et quand il ne vient pas, les pingouins chantent, chantent plus rapidement. Flip, 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 plaque, plaque, pour. Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque, pour réchauffer nos petits pieds. Les pieds des pingouins marchent dans le sable chaud. Ah. Les petits pingouins dansent tous au bord de l'eau. Oh. Ils aiment le soleil et quand il s'en va, ah, les pingouins dansent et chantent tant qu'il n'est pas là. Hey. Flip, 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 plaque, plaque, pour. Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque, pour réchauffer nos petits pieds. Les pieds des pingouins se font chauffer au soleil. Woo! Les petits pingouins font tortiller leurs orteils. Ouais! Ils aiment le soleil et quand il est là, what? Les pingouins sont heureux, c'est merveilleux. Flip, 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 plaque, plaque, pour. Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque, pour réchauffer nos petits pieds. On reprend. Flip, 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 plaque, plaque, pour. Soleil, soleil, viens donc nous réchauffer. Flip, 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 plaque, plaque, pour réchauffer nos petits pieds. Oh, réchauffer nos petits pieds. Encore. Réchauffer nos petits pieds. Flip, flip. Oh, on l'a eu. Bravo, bravo. Nous avons réussi. Ah, mon cher Eugène, allons vite te faire dégeler au jardin. Il va dégeler, Madame Croque-Cerise. Il va dégeler, Eugène. On n'aurait pas dû prendre sa tuque et son foulard aussi longtemps. Il nous avait dit qu'on pouvait les prendre. Mais pas si longtemps. On s'excuse, Eugène. Il va dégeler. Il faut lui laisser le temps. Oui, il faut toujours un peu de temps pour se réchauffer. Hein. Tiens, ça me rappelle le jour où j'ai échoué au pôle Nord. Rien d'autre qu'un maillot de bain sur le corps. Et... Patrick, ça l'aiderait à se réchauffer plus vite. Oh, et mes caches-oreilles. Il va dégeler. J'espère bien, Bulle. Attention à mes pétales, zut de flûte! Ça y est! Eugène est dégelé! Eugène, Eugène, comment te sens-tu? Ça va bien. J'ai un peu chaud. J'ai très chaud. J'ai très, très, très chaud. Attends, Eugène, attends. Oui. Non, Madame C, laissez-moi un peu, ça fait tellement de bien d'avoir un petit peu chaud. Après une journée pareille, on mérite une petite récompense, n'est-ce pas? Une récompense? Quoi, quoi, quoi? Des cerises rôties bien chauffées par le soleil. Ouh. Cerises rôties pour tout le monde. Miam, 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 miam. Faites circuler, s'il vous plaît. Faites circuler les cerises rôties. À bientôt. Au revoir. Tiens, serre-toi, Eugène. Ah,
Et des cerises rôties pour moi. Et des cerises pour Eugène.